ça va, Cathy? Une seconde, s'il te plaît. Je sais ce que tu vas me demander, mais je ne sais pas qui m'a acheté un sort. J'ai essayé de m'en souvenir, mais je n'y arrive pas. Dis-moi ce que tu as fait, Malfoy! Dis-moi ce que tu prépares! Laisse-moi tranquille, Potter! Me touche pas! T'approche pas de moi! Vous devez aller à l'infirmerie. Quant à vous, Potter, où avez-vous trouvé ce sortilège? Dans un livre de la bibliothèque. Menteur! Rassemblez tous vos livres. Tous. Et apportez-les-moi immédiatement. C'est le livre de Ron que j'ai donné à Rogue, pas le mien. Et tu as utilisé sur Drago un sortilège que tu ne connaissais pas? Je ne l'ai pas fait exprès. Il allait me jeter un sort, alors Il vaut mieux que tu te débarrasses de ce livre. Je sais où tu peux le cacher. La salle sur demande. C'est l'endroit parfait pour cacher quelque chose. Ferme les yeux. Voilà. Personne ne le trouvera. Moi aussi, j'ai un secret. Et alors, toi et Ginny, vous l'avez fait? Fait quoi? Ben, cacher le livre. Ah, oui, quelque part dans la salle sur demande. Je ne sais même pas où exactement. Eh bien, tant mieux. Quand même, utiliser un sortilège inconnu sur quelqu'un... Je sais. Au moins, tu vas pouvoir te concentrer sur la mission que t'as confiée Dumbledore. Ce n'a pas été très concluant pour l'instant. Non. Il me faudrait peut-être juste un petit coup de chance. C'est le moment d'avoir de la chance. Alors, comment tu te sens? Super. En fait, je crois que je vais aller faire un petit tour au cerf de botanique. Tu dois trouver Slughorn, Harry. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Ou, en tout cas, Félix le sait. Malin, hein? Agresser Drago comme ça! Il allait me lancer un Andoloris! Ah ouais? Bah maintenant, c'est un stupéfix qu'on va te lancer! C'est pas le jour pour m'attaquer, je vous le dis.
fais vite! Un truc. J'arrive pas à le toucher. Je l'aurai. T'auras pas autant de chance la prochaine fois, Potter. J'ai pas besoin de chance pour vous battre. La vénéneuse. Par la barbe de Merlin. Ces feuilles valent une fortune, non? Oui. Oh, ce ne serait pas pour les vendre, bien sûr. Mon intérêt est purement scientifique. De toute façon, ce spécimen ne vaut pas grand-chose. Vous avez essayé d'y ajouter de la bouse de dragon? Vous pensez que ça marcherait? Oh, oui. J'ai un bon pressentiment. De la cervelle de Matak. Oui, c'est un fait. Vite, vite, le temps s'écoule. Formidable. Mon garçon. Vous y êtes passé. Continuez comme ça. Continuez comme ça. De la mandragore cuite, aussi silencieuse que quand elle est vivante. Formidable. Vous êtes vraiment doué, c'est un fait. Du foie d'or. Des thorax et de l'idolum gagné. Formidable! Vous y êtes prêts? Continuez comme ça! Aragog? Une araignée chose.
C'est la vérité, je suis l'élu. Le seul qui puisse tuer Voldemort. Mais j'ai besoin de votre souvenir pour y parvenir. Donnez-le-moi pour que ma mère ne soit pas morte pour rien. Tenez. Ne m'en veuillez pas. Vous n'avez pas idée de quoi il était capable, déjà à l'époque. Dumbledore doit vous attendre. Maintenant que je vous ai donné mon souvenir... Vincenzo ! Tiens, tiens, qui voilà encore? Lâche-moi, tu veux? T'iras pas plus loin, stupéfix! Stupéfix! Il te fera payer ça, Potter. Malfoy aura rejoint son père à Azkaban avant d'avoir pu me battre. Monsieur, ça y est. Slughorn m'a confié son souvenir. Excellente nouvelle, Harry. Je savais que tu y parviendrais. Découvrons-le vite. Soyez prudent, Tom. Ça y est, enfin. Nous allons savoir. Les Horcruxes ? C'est de la magie très noire, Tom. Il faut séparer son âme en deux, et pour y parvenir, il faut commettre un meurtre. Tuer déchire l'âme. Le faire une fois est une violation contre nature. Alors cette fois... Alors, Horace a parlé des Horcrux. À Tom, j'ai du Zor. Un Horcrux est un objet dans lequel une personne a dissimulé une partie de son âme. Et tant qu'il existe, cette personne ne peut pas mourir. Et vous croyez que Voldemort a réussi? Il a créé un Horcrux? Oh oui, il a réussi. Et il n'en a pas créé qu'un seul. Il en a créé 7? Il a divisé son âme en 7 parties. L'une est toujours en lui, et les 6 autres? Eh bien... Tu as déjà trouvé un Horcrux ici, au cours de ta deuxième année. Le journal intime de Tom Jedusor. J'en ai découvert un autre sous la forme de cette bague. C'est ça qui a causé votre blessure à la main. Et c'est pour ça que vous vous absentiez, pour chercher les Horcrux. Exact, Harry. Et je crois en avoir trouvé un troisième. Le moment venu, j'aurai besoin de ton aide pour le détruire. Et Rogue maintient ta retenue? Non, il sait que c'est le match décisif. Tu devras me remplacer. Dean prendra ta place comme poursuiveur. Je vous prends à bavarder alors que vous devriez m'attendre devant mon bureau, Potter. 10 points de moins pour Gryffondor. Mais pourquoi? Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard, monsieur. Inutile de m'appeler monsieur, professeur. J'aurais pensé que vous aviez eu votre compte de retenue après l'incident avec Drago Malfoy. En voulez-vous une autre? 20 points de moins pour Gryffondor. Allez m'attendre dans mon bureau. Votre équipe devra se débrouiller sans son élu. Pauvre Gryffondor. Son équipe finira dernière du tournoi de Quidditch cette année. Vous devez gagner ce match, Ginny. Gryffondor doit remporter la coupe. Où est Harry? Rogue lui a collé une retenue. C'est moi qui vais jouer au poste d'attrapeur aujourd'hui. Super! Si on gagne ce match, on pourrait remporter la coupe. C'est ce que j'ai promis à Harry.
On va gagner la coupe. Maintenant, arrête de geindre et allons voir sur le tableau d'affichage quel échauffement Harry nous a préparé. Bon, voilà ce qu'on va faire. Thank you.
du Lindor force les deux joueurs à se rapprocher. Fantastique! Joli! L'équipe qui attrape le Lindor remportera la Coupe de Quidditch. Mais Zerbeek prend la tête! Quel but épatant! Les deux attrapeurs ne lâchent pas le Lindor d'une semaine! Le Lindor a été attrapé! Félicitations! 50 points chacun pour cet excellent match! Alors, comment ça s'est passé? On a gagné! Et ta retenue, c'était comment? Rogue m'a fait trier des verres à crasse pourris. Tu pourras féliciter toute l'équipe pour moi, s'il te plaît? Tu ne veux pas le faire toi-même? Impossible. Dumbledore m'a donné rendez-vous à la tour d'astronomie. Je crois qu'il veut que je l'accompagne pour chercher un Horcrux. La vache! Sois prudent, vieux! Son message me demandait de prendre de la potion Wiganweld. Je devrais aller en préparer au club de potions. À plus tard!